Bonjour, on va calculer la prédiction de la fonction f du x est égal à 1 sur x moins 1 fraction du x carré plus du x plus 3. Bon, on va calculer cette primitive sans utiliser le changement de variable et intégration par partie. Bon, on a 1 sur x moins 1. Facteur de x au carré plus 2x plus 3 est égal à 1 sur x moins 1 facteur de x au carré plus 2x plus 1 plus 2 qui est égal à 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 au carré plus 2 qui est égal. Donc, on peut écrire sur la forme 1 sur. On va apparaître x plus 1 ici, donc on a x plus 1 moins 2 facteur de x plus 1 au carré plus 2. Maintenant, on va décomposer cette quantité. On va écrire ici, pardon, x plus 1 au carré plus 2. Ici, on va écrire x plus 1 moins 2. Alors, lorsqu'on réduit, bon, on ne s'intéresse pas pour l'instant au numérateur. Lorsqu'on réduit au même dénominateur, on aura, ici, le terme x plus 1 au carré va apparaître au numérateur. Donc, pour l'éliminer, on va apparaître ici x plus 1 plus 2 pour avoir le terme x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, ici, lorsqu'on réduit au dénominateur, on va apparaître ici x plus 1 plus 2, facteur de x plus 1 moins 2, n'est rien d'autre que x plus 1 au carré moins 4. Donc, on a le terme x plus 1 au carré, il va apparaître ici. Alors, pour l'éliminer, on va mettre ici 1 moins, et on va mettre ici 1. Pardon. On va mettre ici 1. Bon, lorsque le réduit dénominateur, on aura x plus 1 plus 2 multiplié par x plus 1 moins 2, c'est x plus 1 au carré moins 4, moins x au carré plus 1 plus 2, donc c'est x au carré plus 1. Alors, les termes x au carré plus 1, il va se disparaître, donc il nous reste moins 4 moins 2, c'est moins 6. Donc, on va diviser ici par moins 1 sur 6. Voilà. Est égal à moins 1 sur 6 multiplié par bon x plus 3 sur x carré plus 2x plus 3 moins 1 sur x moins 1 qui est égal à moins 1 sur 6 et si la dérivée du x carré c'est 2x. Bon, la dérivée du 2x, c'est 2. Donc, on va diviser ici par 1/2. Donc, 2x sur 2, c'est x. 2 sur 2, c'est 3. C'est 3. Bon, 2 sur 2, c'est 1. Donc il nous faut ici plus 2 sur x carré plus 2x plus 3. Ici c'est x carré plus 2x plus 3. 1/2 multiplié par 2, c'est 1. 1 plus 1, plus 2 c'est 3, oui. Moins 1 sur x moins 1 qui est égal moins 1 sur 6 1/2 et c'est 2x plus 2 n'est rien d'autre que la dérivée de x carré plus 2x plus 3 prime sur x carré plus 2x plus 3 moins x moins 1 prime sur x moins 1 plus 2 sur x carré plus 2x plus 3.
Donc, est égal moins 1 sur 6. Ici, l'aine de valeur absolue du x carré plus du x plus 3. Prime moins l'aine de valeur absolue du x moins 1. Prime moins 1 sur 6. Donc, ici, moins 1 sur 6, on va simplifier par 2. Donc, il nous reste 1 sur x plus 1 au carré plus 2. X carré plus 2, x plus 3, la valeur de x plus 1 au carré plus 2. C'est égal à moins 1 sur 6, ici pardon. Il nous manque un demi ici. Bon, cette quantité est toujours positive, donc son valeur absolue est la même, 1 demi ln, donc c'est ln de racine de x carré plus 2, x plus 3. Moins ln de valeur absolue de x moins 1. Ici, nous avons la différence du dérivé, c'est la dérivée de la différence. Donc, moins 1 sur 3. Donc, on va diviser ici par 2. Donc, on va mettre ici 6, pardon. 6 moins 1 sur 6. 1 sur. Bon, factorisons par 2. Donc, on va entrer à l'intérieur. On va diviser par 2. Donc, x sur racine de 2 moins plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1. Oui. Qui est égal à moins 1 sur 6. Si l'aine de A moins l'aine de B n'a rien d'autre que l'aine de A sur B. Moins 1 sur 6 pour la dérivée de x sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 prime. La dérivée ici, on va multiplier par 1 sur racine de 2. X sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1. Et si nous avons U prime sur E carré plus 1 n'a rien d'autre que 1 sur racine, donc c'est racine de 2 sur 6, donc il y en a moins 1 sur 6. L'aine de racine de x carré plus 2x plus 3 sur x moins 1 moins racine de 2 sur 6. U prime sur E carré plus 1 n'a rien d'autre que arc tangente. Arc tangente. X sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 prime. Voilà. Ici nous avons la différence du dérivé, la dérivée de la différence. Racine de 2 sur 6, arc tangente, et si c'est racine de 2, x plus racine de 2, le tout sur 2, et si le tout prime. Voilà. Donc, c'est primitif. Donc cette primitive est égale à moins 1 sur 6 ln de racine de x carré plus 2x plus 3 sur valeur absolue de x moins 1 moins racine de 2 sur 6 arc tangente.
tangente dans la racine de 2x plus la racine de 2 sur 2 plus c, plus c appartenant à R. Bon, voilà pour cette primitive. Merci pour vos attentions. À la prochaine.